ont marqué l'histoire du freestyle. Ils ont rencontré les plus grandes stars. Mister. Dans plus de 60 destinations. En 10 ans, ils ont été plus de 20 freestylers à réaliser leurs rêves. Un truc que je ne revivrai jamais dans ma vie. Faire partie de ce groupe, ça a été une ascension fulgurante. Je ne vivrai jamais ça. Chaque année, c'est une année unique. C'est incroyable. C'est tout simplement magique. Ce sont les S3. Allô quoi. Et pour cette nouvelle saison, ils reviennent dans la ville de Nice. On est à Nice. Oh, Nice to meet you. Et dans cet épisode, 5 membres des S3 vont vivre dans une villa de rêve. Mais comment c'est chouette, on est à Nice. Hey, c'est éclaté, wesh. Oh putain, c'est super moche. Hey. Exactement comme on avait prévu. On dirait on est à Miami. Miami. Waouh. Voilà, on dirait on est à Dunkerque. Cette année, la barre sera très haute. On n'est pas là pour s'amuser. Et là, Harry, je le crois, je trouve ça malsain, bizarre. Cependant, ils ne sont pas là pour des vacances. Nous, on reste motivés, quoi qu'il arrive. Mais pour faire le meilleur show et un battle contre les Sniper Crew, médaillés d'or des Jeux de la Francophonie. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le voyage à Nice leur réserve bien des surprises. Les S3 vont passer par toutes les émotions. Tous ensemble, ils vont vivre une aventure qui les marquera à vie. Ce sont les S3. Voici leur histoire. Et elle commence maintenant. Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui, on est à Nice. Enfin, un nouveau voyage. Je peux vous avouer que ça faisait grave longtemps là. Franchement, c'est le feu, ça me fait grave plaisir, je revois tous mes gars. Il y a Moss, il est là, il y a Andreas, il est là, Yann, et surtout, il y a Mélo. Oh, Mélo. Oh, comment ça m'a fait plaisir de voir mes gars. En plus, ils font toujours des jeux. Moss, viens, fais un tuer, tu peux. Moss, le même. Viens, fais un tuer. Tu récupères? Il est mort. Bon, moi j'ai pas trop de blagues, mais j'ai kiffé. Comment tu appelles ça un regroupement d'aveugles? Un festival de Cannes? Nap. Qu'est-ce qui est carré et rouge? Un carré rouge? Oui. C'est un couple, pendant qu'ils font les choses, etc. Tu vois, il y a sa femme, elle dit au mec, dis-moi des choses sales. Le mec il dit, excusez la putain. André, c'est un bug ou pas? Vas-y, fais des bugs. Qu'est-ce qui est petit, rebeu, les cheveux bouclés, qui a des mèches? C'est une histoire de deux imams dans un grec. C'est ça, bien démarrer en fait. Ah, c'est que ça la blague? Wow. Ouais, je t'ai gagné. Je la connaissais, mais avec un ramin, ça va. Après ce moment de détente, il est temps pour les S3 de rejoindre Mélo à Nice. Eh, par contre, il y a eu des phases bizarres, carré, quand on se disait tous bonjour. Tout à l'heure, Traf, il m'a regardé trop chelou. Ça fait 10 ans, on se connaît. La première fois, je vois un regard comme ça. Il y a une ambiguïté chelou entre Traf, Mélo, Andreas. Je trouve ça malsain, bizarre. Genre, normalement, il n'y a pas de sang entre nous. J'ai pas compris. Hein. Moi, je sais pas. Mélo dit, elle va me faire un câlin. Je fais un câlin normal, tu vois. Mais c'est un ouf, lui. Ça fait 3 mois que je suis sur le dossier Mélodie, mon frère. Lui, il vient, il fait un câlin comme ça devant moi. Et il croit que je vais rien dire. Mais frère, c'est pas à faire play, gros. Voilà, maintenant on est arrivé. Trêve de plaisanterie, c'est parti, on va visiter la ville. Rendez-vous sur nos prochaines rêves. It's been a long day. Ouh.
without you, mon friend. Ooh. And I found you when I see you, when I see you again. Oh nom de Dieu, j'ai jamais vu une ville aussi naze. Wouah, Starfoula. Moi j'ai kiffé, hein, même s'il fait pas beau, j'ai grave kiffé. On dirait, hé, en plus, on a croisé des b-boys, on a vu un petit street show au KLM. Elle est éclatée cette ville, hé, j'ai le seum d'être là, voilà. Je suis totalement d'accord avec moi, cette ville, elle est Après cette magnifique journée, on rentre à l'hôtel, on va se poser un peu, discuter, kiffer comme d'habitude la Team S3. Non, en vrai, Mousse, t'as vu comment t'es là? La face qu'il a fait en grâce. En ça? Attends, voilà, j'allais t'en parler. Attends, est-ce que c'est un truc qui se fait? Franchement, voilà, j'allais t'en parler en plus. Gros, Mélodie. Mais lui, il est au courant ou pas? Mais bien sûr, il savait, frère. J'en ai parlé quand on était en Inde, frère. Vous arrêtez de parler sur mon dos? Moi, je savais pas, ok? Si. Waouh, comment j'aime pas les messes basses. Les gens ils parlent sur les gens comme ça gratuitement. Pff, c'est un truc de ouf. Mais tu sais quoi? On va dormir tranquillement. Demain on va bien se reposer. On va parler tranquillement de tout ça. Parce qu'il faut régler cette histoire. La journée était bien dure pour notre S3 Family. Mais un nouveau jour s'est levé, leur réservant plein de surprises. Oh putain, une nouvelle journée qui commence. C'est lourd, il fait trop moche. C'est génial. Eh, on va se préparer. Petit show, petit battle. Et on rentre à Paris. Franchement, hier, j'ai même pas pu prendre ma douche tranquillement, mais aujourd'hui, on est... Hé, hey, tu peux remonter la caméra, s'il te plaît? T'es pas obligé de filmer en bas? Nouvelle journée, on se prépare, tout, chacun de notre côté. Moi, je me suis levé un peu plus tôt ce matin, j'étais parti faire un petit jogging. Et là, à mon retour à l'hôtel, truc de ouf. Je me dis, bien ou quoi? Comment ça, bien ou quoi? Tu t'arrives? Pourquoi t'es habillé comme moi? Oh, comment ça t'es habillé comme moi? C'est moi je me suis habillé comme toi? Attends, hier je t'ai dit quoi? Quoi? C'est toi qui as parlé maintenant? Fous de ma gueule toi? Mais t'es habillé exactement toi, comme moi. Mais qui a dit que j'allais m'habiller comme t'as ça? La c'est même, moi, t'as la même veste, t'as le même bas. Genre maintenant j'allais pas dire que t'as le même logo que moi. Genre j'allais pas m'habiller comme ça mais maintenant. Mais toi j'ai remarqué que tu parles mal en ce moment. Mais toi juste parce que t'es plus grosse que t'as. Attends, mais toi j'ai vraiment remarqué que tu parles mal en ce moment. Mais t'es honte toi, mais la tête d'homme, c'est pas moi j'allais m'habiller comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais sur la tête de ma mère, je vais le chicoter. Non, mais c'est un truc de ouf. D'où il est là, il dit moi je m'habille comme lui. Mais c'est un ouf. Eh, cette veste là, c'est moi, je l'ai acheté. C'est moi, j'ai voulu la ramener. Et Crary, lui, il arrive tout ça parce qu'il est là. Et eh, ça me rouvre, la mère, ça me rouvre ce genre de truc. La tête d'homme. De toute façon, moi, chef, c'est un hypocrite. Il sait très bien. Hier, je l'ai regardé les yeux dans les yeux, je lui ai montré ma tenue. Je lui ai dit est-ce que ça me va bien? Il m'a dit oui. Et là, Crary, je le croise. Normal, il est un peu pareil. Arrête toute la gueule du monde. Oui. Bah, encore une fois, les gars, je n'ai rien compris. Je sors de ma chambre, j'entends quoi? J'entends des bruits, des boîtes, des gens en train de se battre. Je me dis, ça peut pas être la Team S3, on est soudés. Je vois qui? Je vois Moss, Traf en train de se battre. Truc de malade. Pourquoi? Pour des sapes. Alors qu'on est tous habillés pareil, frère. Pourquoi personne me dit rien, moi? Bon, bah finalement, quand ils ont vu qu'on avait tous la même tenue et qu'on la portait depuis 10 ans, bah. Ils se sont réconciliés. Et là, c'est parti pour le show enchaîné du battle. Ça va être lourd. Le show, il a commencé, j'ai raté direct. Pourtant, on s'entraîne toute la nuit, hein. j'ai pas compris. Eh, mais hey, c'est une aventure, elle est incroyable. On a fait un show génial, une ambiance de folie. Eh, hey, pire que le Stade de France, pire que la Ligue des Champions. Eh, on était chaud, franchement, on était chaud de ouf. Et là, place au battle contre les snipers. Hey, et là, pendant le battle, j'ai encore raté. Je comprends pas les mecs, je comprends pas. Hein. Après les illuminations de Waz, de Logan, je crois que ça va être Annie. C'est un flux, râteau chaud, râteau battle. Mais tu crois c'est quoi? Eh, on a une image et tout. Non, franchement, moi personnellement, cette semaine, je vois Tani. Attends, mais moi c'est un ouf. Le mec il est là, il parle d'Ani, il rate. Mais lui, dernier geste, il envoie la balle dans l'eau. Non, mais descends, moi. Vas-y. Hey, je te tiens. Qui c'est qui va être éliminé cette semaine d'après vous? Bah voilà, fin du show, fin du battle. Fin de notre aventure ici, franchement Nice, c'était lourd, aucun regret. J'aimerais vraiment bien qu'on revienne et qu'on fasse vivement la saison 2, vivement la saison 2. Vivement la saison 2 mon gars. On revient. Ouais. Tu penses qu'il y aura des nouveaux participants? Ouais, si. Il y a moyen? Ouais.
Yo, c'était la Tumeuse 3. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Dites-nous quel a été votre personnage préféré. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et surtout abonne-toi. Merci beaucoup.